missing someone. Love is all you want. Missing someone. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Ah, bonjour. OK. Donc, salut à vous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bon matin. Donc là, on est mercredi. Ça fait déjà plus d'une semaine et un jour qu'on est revenu de voyage. Ça a été un retour quand même. Tu sais, juste se remettre dedans, clairer un peu de la to-do list. Will, il y a plusieurs listings qui vont sortir. C'est vraiment excitant, mais il est très, très occupé au travail. On s'est permis, comme il avait travaillé toute la fin de semaine, on s'est permis hier un petit date ensemble au Nelly, à l'hôtel Nelligan, ou peu importe, là, sur Saint-Paul, dans le Vieux-Port de Montréal. Puis, ça a été un super bon souper. Dans le fond, c'était une invitation média pour le Happening Gourmand. Ça se donne du 2 mars au 2 avril. Et c'est, en fait, des 11 restaurants qui participent à ce Happening Gourmand-là. Puis, ils offrent, dans le fond, une table d'hôtes à prix réduit. Donc, ça permet aux gens, justement, de pouvoir se permettre de sortir. Puis, on a eu vraiment 3 bons plats généreux pour la somme. Dans le fond, techniquement, c'était 42 $ par personne. Et on était vraiment généreusement invités avec une bouteille de vin et tout. Ça a été super bien. L'ambiance était géniale. Alors, voilà, c'est ça pour hier. Mais sinon, les derniers jours, là, ça a vraiment été comme de l'organisation et tout. J'ai vraiment mal au bras. C'est lourd, la caméra. Prends une petite pause. OK. Là, c'est ça, dans le fond, ce matin, ben, le Clara a retourné à la garderie, officiellement lundi. Je m'en allais m'habiller en sport pour faire un petit entraînement. J'ai reçu de la part de Menio, dans le fond, ceux qui ne savaient pas, ben, elle fait principalement des maillots de bain et du beachwear, du loungewear. Et honnêtement, j'adore vraiment là, sa compagnie. D'ailleurs, mes maillots justement que j'ai portés dans le sud, là, surtout mes bleus, venaient de Minio justement. Et puis, elle a commencé à faire du linge de sport. Puis moi qui est fervente de linge de sport, honnêtement, je viens de le déballer. Et wow, vraiment, ça fait un an qu'elle travaille là-dessus. Pour le moment, elle a comme 3 couleurs. Moi, j'ai choisi celle-là ici. Vous voyez l'intérieur là? Ça doit être respirant, donc je vais essayer ça à l'instant. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. OK, donc honnêtement, gros wow jusqu'à présent. Méga confortable. Niveau grandeur, là, moi j'ai pris médium du haut. Puis honnêtement, il est vraiment parfait. J'aurais pas dû prendre plus petit. Ça, j'ai souvent de la misère ici, c'est tout le temps genre trop lousse. Tu sais, là, ça allait vraiment moins. Mais ça, c'est peu importe le linge de sport. C'est toujours, même Lululemon, whatever, j'ai toujours ce problème-là. J'ai comme un buste. Mais j'ai pas de tour de taille, en tout cas, peu importe. Puis, oui, mon amour, tu veux dire, maman? C'est XX small. Donc, j'ai bien fait de prendre XX small finalement parce que elle me disait, oh, tu préfères-tu XX small ou XX small? Puis elle me conseillait vraiment à prendre le XX small si je voulais que ça fasse comme tight. Puis, justement, une chance que je l'ai pris. Fait que là, je vais m'y mettre, là, il est 9h15. Et j'ai plein comme ça à faire aujourd'hui et j'ai déjà faim, mais je vais m'entraîner avant de manger. Fait que je vais faire un petit workout, après ça je vais manger. Après ça je vais faire du lavage, puis elle, cette madame-là. Ah! Comment tu dis déjà être fatiguée? Je vais la faire dormir moi pendant qu'elle fait des commissions. Normalement j'aime ça la faire dormir, c'est à 16 du matin dans son lit. Mais là elle va dormir dans l'auto puis elle va être super bien. Oh mon bébé! On n'est pas pire, là. Il est 9h52, mon objectif c'était de partir à 10h. Elle est pas habillée, pas allaitée, puis j'ai pas mangé, mais bon. Regarde, chaque chose en son temps, au moins j'ai un peu de lavage d'avancée, qu'est-ce que t'en penses? Je vais me faire une fameuse sauce au beurre d'amande, banane et miel, genre... J'aime tellement ça le matin, ça je mange ça. Ça je vais all-in, genre je vais faire un sandwich déjeuner avec des avocats pis tout. T'as-tu fait, maman? Tu veux tout manger? Tiens, mon amour.
Mmh, so good! Fun fact, Clara a eu un poisson en cadeau qu'elle a décidé... Ben là, on l'a placé ici, mais vous pouvez faire peur. On a décidé de l'appeler... Bon, en fait, elle a décidé elle-même de l'appeler Rouge. Alors, voilà. Et toi, tu prends la caméra, hein? Fait que c'est ça, c'est un bon vieux bêta classique. Pour l'instant, ça va bien, là. Il s'est comme apprivoisé dans son aquarium. La première journée, il était genre caché. Je sais pas si c'est parce que l'aquarium était froid, là. Mais pourtant, j'ai bien réglé la température, mais là, il est super heureux. Fait que voilà. Clara, elle est bien contente. Elle mange à côté le matin. C'est tellement cute. Elle est genre obsédée avec son poisson. C'est pas un chien, parce que pour l'instant, avoir un chien, ce n'est pas dans les plans. J'ai eu des chiens toute ma vie. J'adore les animaux, j'adore les chiens. Même que je me dis, je ne suis pas prête à être attachée à un autre être autant. Mais c'est aussi tout ce que ça demande de s'occuper d'un animal. Je commence à avoir une certaine liberté avec Ellie qui comme de plus en plus vieillie, qui devrait commencer la garderie d'ici 6 mois. Fait que c'est ça. J'ai comme pas goût de me lancer parce que je veux pas aussi c'est à faire garder. Dès que tu t'absentes, t'sais, on a souvent les getaways. On aurait ça éventuellement plus voyager aussi. C'est sûr que là pour l'instant ce n'est pas le cas. Mais plus voyager, c'est relatif, là, t'sais, pas à chaque mois. Mais ça va de rien, mais c'est un chien, c'est comme un enfant, tu sais. Fait que je suis comme pas prête. Mais en avoir un, j'aimerais vraiment beaucoup avoir soit un Golden Doodle ou un Bernie Doodle. Un Bouvier Vernon mélangé avec Doodle, c'est ce qu'on avait, le dernier chien qu'on a eu, puis je trouve que c'est tellement beau. Et j'aime beaucoup les caniches. Alors, en termes de perte de poils et tout aussi, là, j'ai enlevé ma tosse. Un autre point, ce matin, je faisais à manger à Clara et à Ellie, puis ils ont pratiquement mangé la même chose. Je leur donne pas mal tout le temps la même chose, sauf que c'est sûr que des fois que Clara, il y a des choses qu'elle mange qu'Ellie peut pas manger. Fait que je donne autre chose à Ellie. Mais l'équité, en ce moment, je commence à me rendre compte que ça commence jeune, hein? Le sentiment d'injustice chez un enfant. Même si je travaille fort pour que Clara se sente, mettons, plus grande fille parce que pour x, y raison, elle fait des choses qui est plus adaptée à son âge puis tout, tu sais. Des fois, c'est pas facile d'être équitable entre les deux. Fait que voilà, c'est un petit challenge, c'est le partage qu'on vit, mettons, avec Clara présentement. Elle est tranquillement, elle est honnêtement, commence à être possessive de maman. Là. Fait que moi, mettons, j'ai Clara dans les mains, là, elle va comme se mettre à chier un peu pour que moi je la prenne. Puis, tu veux ce petit bout de banane là? Fait que c'est ça, on commence à le voir, là, le petit côté, là, chacun, là, leur petit caractère là, de partage et d'équité et de justice, mais bon. C'est juste un petit fun fact parce que je suis sûre que tous les parents du monde entier traversent ça. Puis là, c'est ça, le matin, Clara, elle avait demandé du yogourt avec son déjeuner qui était pareil comme celui d'Ellie. Puis là, j'ai donné de la compote de pommes. Et là, quand j'ai servi Ellie, Clara, elle a regardé le repas d'Ellie, puis elle était comme, « Maman, elle est où la compote de pommes à Clara? » J'étais comme, « Ben, tu m'as demandé du yogourt. » Elle était comme, « Non, je veux de la compote de pommes. » Elle a mangé et du yogourt et de la compote de pommes. Mais là, Ellie comprenait pas, mais what if j'avais pas donné du yogourt à Ellie? J'étais comme, « Oh là là, OK, il va falloir que je sois juste. » Puis j'apprends à mes filles que dans la vie, elles ont toutes une valeur égale. Et c'est pas parce qu'une a de la compote de pommes que l'autre a du yogourt que je les aime moins. Hein, qu'est-ce que t'en parles, toi? Comment c'est étonné? Tu veux parler, dans le fond, toi aussi, hein? Lélie, qui a plusieurs dents qui ont poussé, t'as plein, plein de dents. OK, donc je vais manger rapidement. Je vais allaiter Ellie, puis on va partir pour les commissions parce que là, j'ai vraiment faim et ma tour, ça me regarde. Voilà. C'est vraiment bon. Mm. Donc, on est de retour. On a une petite mademoiselle ici qui a bu, qui est contente de ramper. Oh mon Dieu, c'est poigné. J'ai été partie pour un total de 3 heures. Elle était super fine, tu sais. J'avais sorti de son bain puis tout, là. J'ai mis dans le carrosse au Walmart. Mais... je veux pas tanner, j'ai poussé ma loque, là. Elle était vraiment tannée. Fait que. Voilà. J'avais vraiment faim, donc je suis arrêtée au Louisa me chercher des sandwichs poulet César avec une salade, puis un muffin aux carottes qui a déjà été un peu mangé par mademoiselle là-bas, justement. Puis, c'est ça, dans le fond, j'avais quelques arrêts à faire, puis je m'en veux. Il y en a un, fallait que je fasse à la banque, mais là, j'avais oublié les papiers que ça me prenait. Obviously, c'est sûr, fallait que j'oublie une affaire, mais bon, qu'est-ce que on fait comme on peut. Sinon, au Walmart, bon, j'ai acheté des petites affaires, genre des collations
dans la partie bio du Walmart, il y a vraiment des trucs que ça vaut bien plus la peine parce que, mettons, IGA, je trouve que c'est cher. Genre céréales, granola, puis tout. Fait que pour ça, c'est comme à notre avantage. J'ai trouvé des genres de petits bacs de rangement de même, de plusieurs. C'est un colorier de Frozen. Mais c'est ça, des bacs de différentes grandeurs, justement. Je vais faire du rangement dans comme où est-ce que les médicaments, où est-ce que les trucs des filles, puis tout. Là, c'est le bordel partout, puis ça me fait capoter, puis ça fait capoter Will aussi. On se retrouve pas, puis à chaque fois, genre, c'est source de. Ben, pas de conflit, là. Je tiens pas pour ça, mais comme. On s'obstine comme, ben là, faudrait que ça soit mieux rangé. Sinon, Clara, j'ai acheté cette brosse à dents électrique-là de Frozen avec le livre à colorier de Frozen parce que là, Clara a très bien gros Frozen. C'était inévitable, il fallait que ça arrive un jour. Elle a comme lâché un peu plus Paw Patrol, même si elle aime ça. Là, est vraiment dans les princesses de Disney, donc Moana, Frozen et tout. Puis, dans le fond, ça, je le garde pour la fête à Ellie qui a lieu dans 10 jours. Juste parce qu'elle va avoir des cadeaux, puis bon. Pareil, petite, elle comprend que c'est pas sa fête, t'as pas de cadeau, mais moi j'ai fait un petit sac surprise. Là. Je suis bébé de même. Là. Ça sera pas ça tout le temps. Là. À un moment donné, elle va comprendre que genre, c'est pas ta fête, t'as pas de cadeau. Là. Mais bon. Sinon, j'ai trouvé des cache-couches pour Ellie. Vraiment super simple. Là. Honnêtement, pour 10$, je trouve que ça vaut vraiment la peine parce que c'est le genre de cache-couches que tu mets de tous les jours, là, que ça te dérange pas, genre que quand ça se tâche ou whatever. Parce qu'à un moment donné, tu mets son beau petit linge, puis là. T'sais, moi j'ai le Let Kids Be Kids, là. Je sais ça qui est correct. Let Kids Be Kids, ben ça, c'en est des cache-couches qu'elle peut. Let Kids Be Kids. Sinon, j'ai trouvé ça pour Clara. Regardez comment c'est cute. Ok. Regarde, excuse-moi, j'ai eu un petit moment. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est tellement cute. Je suis tellement jalouse, comme j'en veux. C'est des pantalons, mais des flare pants, là. J'ai exactement les mêmes en noir en plus. Ben, pas du Walmart, là. C'est des Harry, mais. Pareil, fait que je trouvais ça vraiment cute pour de tous les jours. Et j'ai également trouvé des tulipes blanches. J'ai pris deux paquets. C'est les tulipes à 6$ au Walmart. Ça vaut vraiment la peine. Fait que voilà, je vais les mettre dans l'eau là, très bientôt parce qu'ils commencent à être fatigués. Je trouvais que c'était beau. Le temps des tulipes, hein? On est 1er mars, là, on est en ligne des tulipes. Fait que c'est ça. Alors là, je vais manger parce que j'ai vraiment très très faim. Je n'aime un peu plus. Puis, on vous amène avec moi dans mon petit rangement. Bon, donc, j'ai essayé de coucher Ellie, mais je sais pas. Elle voulait vraiment pas dormir. La sieste de l'après-midi, j'ai souvent plus de misère avec que la sieste, mettons, le matin. Puis des fois, le matin, elle dort genre 2h30. Des fois, comme hier, elle a dormi 3h, fait qu'elle a comme juste pas fait de sieste d'après-midi. Mais bon, c'est ça. Elle s'ajuste, elle va avoir 1 an quand même. Fait que ça se peut que ma mère elle en fasse juste plus. Quoi que Clara, ça, je me souviens plus Clara à quel âge elle a arrêté d'en faire. On sait bien qu'on oublie, hein. Fait que c'est ça. Là, je voulais partir une autre brassée avant de enchaîner le petit rangement que je parlais. Dans le fond, le coin que je veux nettoyer, c'est vraiment ce coin-là. Avec ça ici, que je trouve que c'est vraiment. On a toutes des coins de même dans une maison. En tout cas, si vous n'avez pas, ben bravo. Mais moi, dans mon cas, j'en ai. C'est le genre d'affaire que depuis qu'on a emménagé ici, on fait juste sacrer les trucs, puis on range jamais, puis on se retrouve pas. Fait que je pense que pour être efficace, parce qu'il est déjà 2h15 quand même, puis j'ai pas mal de choses à faire, je vais vous montrer le résultat final. Fait que. Voilà. Donc, final, ça donne ça. On a toutes nos vitamines ici. Ça, c'est les brosses à dents. Toutes les fils électriques et tout. J'ai toutes mis les tasses d'extra ici, les verres en plastique, les vitamines de Clara, les ramequins et les médicaments juste Tylenol parce que j'ai plein d'autres médicaments plus loin. Fait que ça l'a vraiment libéré l'espace ici. Ouais, toi t'es fatiguée mais tu te laisses pas partir. Évidemment, c'est quand mon café est chaud que je m'apprête à le boire que mademoiselle ici a décidé qu'elle voulait se coucher. Donc, je vais la coucher, puis honnêtement, je vais être vraiment plus efficace parce que là, genre, je fais comme petit peu par petit peu, je l'anime, petit peu par petit peu, je l'anime. Alors voilà. Prise 2. Donc, j'étais en train de ranger des trucs dans la chambre à Clara juste rapidement qui donne à côté de la chambre à Ellie. Puis j'ai juste
échappé des choses, puis ça l'a fait un de ses vacarmes. Obviously, ça l'a réveillé Léonore, qui a dormi genre 30 minutes top chrono, fait que là, comme un peu marabout. Obviously, elle a réclenché une autre heure complète où est-ce que j'aurais pu être full efficace, mais bon, il y a des journées de même là, où rien ne va plus. J'ai vraiment remarqué que quand, mettons, puis à un moment donné, c'est que j'ai pas le choix, là, si je veux faire de quoi, là, mais je skip la sieste du matin pour faire des commissions, puis que je me dis comme elle va dormir en auto, comme le reste de la journée, ça paraît. Regarde, veux-tu voir ça? Donc, les 1 an d'Élie approche à grands pas, puis je suis allée à l'enfanterie cette semaine. D'ailleurs, si vous voulez aller voir, j'ai fait un reel avec deux des robes printanières d'une de leur nouvelle collection là, de printemps, là, leur nouvelle batch. Puis vraiment très très belle, honnêtement. Puis honnêtement, ça peut faire tant à une fille qui n'a jamais porté d'enfant, qu'à une fille avec une bédaine ou en postpartum. Fait que ça, c'est vraiment le fun pour ça. Sinon, ben là, j'ai trouvé des... Oh, bon, ça a déplacé. Mais j'ai trouvé des petits cadeaux pour Ellie pour sa fête. J'ai trouvé ce casse-tête-là, que je trouvais super beau, en bois. Donc, tu sais, c'est vraiment un classique. Puis j'en voulais vraiment un avec des couleurs, là, parce que sont beaux, c'est juste en bois. Mais vraiment, c'est le genre d'affaires que mes filles, c'est sûr qu'ils jouent pas avec. Fait que... sinon, j'ai acheté de la marque Jeco ces tubes-là de peinture à doigts. Puis je trouvais que les couleurs, c'était super beau. Sinon, ben j'ai ces crayons-là de Furt, mais naturellement, elle ne peut pas les utiliser. Fait que je les ai trouvés en bois. Parce que pour vrai, Ellie, elle a comme commencé à essayer de comme dessiner. Là, c'est sûr que c'est entre le dessin et la bouche. Elle est un peu mêlée entre les deux. Sinon, de la compagnie Elodie, j'ai ce beau lapin-là. Je trouvais tellement cute, justement, pour la nouvelle chambre à Ellie. Je vais comme faire sa nouvelle chambre avec un look complètement différent. D'ailleurs, j'ai acheté une couverte Loulou Lollipop. Je vous montrerai une photo là, parce que je l'ai rendue en haut. Mais super belle, je vais me baser là-dessus justement pour faire sa nouvelle chambre. Puis un outfit comme ça que je risque fort probable de lui mettre à son anniversaire qui aura lieu le samedi 11 mars. Avec ses petits bloomers là pour cacher la couche. Fait que ça, c'est dans les trouvailles que j'avais faites là, côté enfant. Là, il y a tellement de choses, c'est fou, c'est tellement beau. Mais sinon, côté femme, il y a vraiment des belles nouvelles trouvailles. Il y en a pour tous les goûts. Puis j'aurais donc aimé connaître cette boutique-là plus tôt quand j'étais très enceinte. Mais bon. La vie, on a fait autrement. Mais ça a été super pratique, les enfants, pendant que j'allaitais. Mais comme je vous dis, si vous voyez mon reel, clairement, tu peux porter ça, même si tu n'allais pas puis tu n'es pas enceinte aussi. Là, fait que... Donc, bon vendredi à vous. Ça fait déjà 2 jours, là. Dans le fond, je vous ai parlé hier. Ça a été une quand même grosse journée. Le matin, à 10h, j'avais le shooting, comme je vous disais, avec Gab Lévesque, Gabsta sur Instagram. Puis, honnêtement, ça a super bien été. Honnêtement, c'était vraiment une belle expérience. Et les photos sont juste folles. J'ai vraiment hâte que vous voyez. Sur le reste de la journée, ben là, je suis retournée chercher Ellie chez ma mère, j'étais allée à l'épicerie, je suis allée chercher Clara, puis ben c'était une soirée où il y avait un souper. Fait que c'était une soirée, assez tranquille. Puis là, c'est ça, ce matin, je viens de coucher Ellie pour son dodo. Et comme pas, c'est pas facile ces temps-ci, les dodos, là, c'est comme une genre de régression, je sais pas, mais c'est ça. Mettons que ça fait du bien des fois quand t'as fait un petit dodo. Et là, ben bon, j'ai fait d'autres lavages que j'avais pas fini, laver les lits, tu sais, des affaires plates de même. J'ai répondu à une couple d'emails. Puis ben là, j'allais faire un peu de contenu. J'allais créer des reels de looks, de vêtements, de collections printanières. J'avais mentionné que j'avais été à l'enfantillon. J'avais fait justement un reel avec deux magnifiques robes. Mais là, c'est de la boutique Walk-In à Rosemère, mais c'est possible de magasiner en ligne aussi. Ils ont tellement du beau linge. Pour vrai, c'est comme difficile de résister. Et leur collection est full colorée. Alors, c'est ça, j'ai quelques petits morceaux. Peut-être moins colorés. Là, je suis restée dans le nerd dans mon cas. J'ai un outfit, par contre, qui est vraiment super de Smite. Alors, c'est ça. Donc, je vous l'ai montré en faisant comme les reels. Au moins, je vais les avoir sur moi. Fait que je vous montrerai là-dessus. Sinon, il est toujours possible d'aller voir mon contenu là, sur Instagram. Donc, le premier outfit est de la compagnie Smite. Et la camisole, c'est une cami. Donc, c'est un blazer comme ça avec la paire de shorts. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Et voilà, comme ça. Honnêtement, là, je trouve que ça fait vraiment un look à la Emily in Paris. Tu sais, mettons... avec un petit bague beige, des talons, la même couleur. Et honnêtement, j'adore pour vrai, là. C'est sûr que il fait encore froid dehors, là. Je m'habillerais pas de même, là. Mais pour le printemps, là,
deuxième outfit de la même compagnie Smite, une belle robe à pois. C'est genre d'affaire qu'à la base, je porterais pas, mais honnêtement, elle, genre, comme en satin et tout, elle fait tellement bien, elle est ajustée, même qu'elle pourrait être encore un petit peu plus petite, mais ça va quand même. Avec le chapeau Lack of Color, chapeau que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu une collaboration avec eux il y a pas long. Encore une fois, j'ai mis les mêmes talons hauts. Donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, là, je trouve que c'est super beau. Et le bleu, de plus en plus, je commence à en porter. Puis je trouve que ça me va quand même bien, là. Mais en fait, je trouve que ça va bien à tout le monde, le bleu. Je trouve que ça fait sortir, genre, les beaux traits de tout le monde. Et donc, c'est tout pour les outfits. Je vous en ai montré deux, là. C'est juste qu'à un moment donné, il fallait vraiment que je sois efficace. C'est déjà 11h15. Et j'aurais des commissions à faire. Puis je vais dépêcher à pouvoir monter, genre, au moins un ou deux reels avant qu'Evie se réveille. Puis j'ai vraiment des emails à répondre pour des clients. Fait que c'est ça, mais honnêtement, j'adore le fit, il est incroyable, puis ils ont tellement de beaux linges, puis ils en ont comme, tu sais, pour tous les prix aussi, là, parce que je sais qu'il y a des trucs que c'est plus cher quand même, là, tu sais, je veux pas dire que c'est quelque chose que je m'achète, genre, de même à chaque semaine, là. Donc, il est 3h, presque 2h, 2h50, je me suis fait une salade, mieux vaut dîner tard que ne pas dîner du tout, j'avais vraiment faim, là, j'en pouvais plus. Ah non, juste une bébé, l'autre, c'est à Lily. Je suis allée chercher Clara à la garderie. Clara, tu dis allô? Allô! Clara qui a recommencé la garderie cette semaine. Puis là, elle est bien, elle mange du poulet. Parce que dès qu'elle m'a vu le sortir, elle a pleuré pour en avoir. Elle aime tellement ça. Ouais, c'est ça, suce. Alors là, je vais manger ma salade. Dans à peu près 30 minutes, je vais aller marcher avec ma mère. Je pense que mon oncle, ma cousine aussi vont venir avec nous. Puis, c'est ce qu'il y en est, là. Will est pas mal débordé aujourd'hui. Ben en fait, toute la semaine. Ça fait vraiment longtemps qu'il est débordé. Ouais, fait qu'on risque de prendre ça tranquille ce soir. Là, on va se faire un barbecue. J'ai acheté la bavette de bœuf, des saucisses, des légumes. Donc, ça va être super bon. Puis, on prend ça tranquille. Oui, étoile. Mais c'est pas la nuit encore. Il n'y a pas d'étoile. La nuit. C'est pas la nuit encore. Ah, qu'on voit mon lave-vaisselle pas bien fermé dans le coin. En tout cas. Fait que là, j'ai vraiment faim. Alors, je vais manger. Je crois que ma mère, elle arrive à ce moment. J'ai beaucoup de pliage à faire. Et puis, de rangement de linge à faire. Puis, avant d'entamer cette soirée-là. Puis, en fin de semaine, ben on sait pas trop. On va juste à l'oreille. On va prendre l'air. For sure, il annonce beau. J'aimerais ça aller bruncher, genre en ville ou quelque chose. Je vais voir qu'est-ce que Will, ça lui tente de faire. Alors, c'est ce qu'il y a. Alors, nous autres, ben, je vais terminer la vidéo de cette façon-là, puis j'espère que vous avez apprécié. On se voit dans une prochaine vidéo. Passe, bye bye!